retrouvons le lendemain. J'ai une sale gueule, je suis toute blanche. Donc nous sommes le 8 aujourd'hui, il est actuellement 10h, je viens de me réveiller en fait. J'ai envie d'aller voir ma coiffeuse, j'espère qu'elle est ouverte et j'espère que j'aurai assez de temps. Je viens de voir les perturbations là sur, pour la RATP. J'ai pas de métro, j'ai pas de bus, j'ai juste le tram. Donc j'ai pas de bus pour m'amener au tram, donc c'est chiant. Donc je vais devoir demander à ma soeur de m'amener encore une fois. Ce soir elle pourra pas, j'espère que j'aurai un tram et un bus. Mais c'est chiant franchement, c'est casse-couille les métros là, vraiment. Moi j'espère que demain ça ira parce que demain j'ai contrôle, j'ai toujours pas révisé pour mon contrôle. Peut-être que je m'y mette, donc ce soir je crois que je révise. Bon aujourd'hui en gros le programme c'est là je vais chez ma coiffeuse, ensuite je vais à mon boulot. Ensuite je rentre, je révise. Il faut que je monte cette vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop chiante. Franchement les RATP j'en peux plus. Oh, j'en ai vraiment mais ras la casquette. Hein. Parce que tu vois pour des étudiants c'est chiant. Parce que pour aller au boulot, pour aller dans leur boulot et tout à temps partiel. Quand on est en intérim c'est hyper important de pouvoir aller travailler tu vois. Pour qu'on ait un autre contrat la semaine suivante tu vois. Donc c'est hyper chiant, les étudiants ils sont trop dans la merde à cause de ça. Faire une crise économique, ils vont rien comprendre là. J'ai rien du tout pour manger vu que j'avais pas de prix de céréales. Ah je vais peut-être prendre des pains au chocolat. Donc je viens de passer à la boulangerie, le coiffeur était fermé. Je pensais qu'il était ouvert parce qu'ils ont dit qu'il était ouvert tout le temps, 7 jours sur 7, 24 sur 24, etc. Donc je vais pas pouvoir tester si je suis allergique ou pas. Donc je vais y aller comme ça, hein. Je vais voir ce que ça donne. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire, soit un truc plus foncé, soit un truc beaucoup plus clair. On verra ça, tout le monde aura la surprise. Même mon copain, hein bébé. Nice. Tu ne sauras pas ce que je vais faire. En tout cas, je vais couper tout ça. Et j'ai envie de changement. Et quand une femme change de couleur de cheveux, bébé, ça veut dire qu'il y a du changement dans sa vie. Hein. Bon, eh bien, nous allons regarder quelque chose de très qualitatif à la télé. Prince et princesse de l'amour. Vous savez quoi, ce qui va se passer aujourd'hui? Il y a le Père Noël qui vient à Truffaut. Qui dit Père Noël dit gamin. Qui dit gamin dit Elisa heureuse. Entre les cris de 8h à 18h, moi je peux plus et là je vais les revoir. Mon job, ça va être dur aujourd'hui. Entre les grèves, entre le coiffeur qui était pas là, alors qu'il dit qu'ils sont là. Entre le Père Noël qui va venir aujourd'hui. Oh ça va être dur. Un ticket, ça passe quoi toi ticket? Et si on ouvrait le calendrier de l'avant, j'ai pas ouvert le 7 ni le 8. Reine Claude. Allez, bougez. Ouais, c'est tranquille. Allez. Donc pour bonne maman, j'ai reçu donc Reine Claude, la petite confiture Reine Claude, je n'ai jamais goûté. Et cerise et mûre, alors je suis pas très fan des cerises moi. Donc j'ai eu ces deux petits là. Chez Sephora, j'ai reçu le Glow Tonic. Donc c'est le Glow Tonic de chez Pixi. C'est celui-ci, je n'ai jamais testé, jamais entendu parler. On va bien tester ça. Chez toujours Sephora, j'ai reçu chez Fenty un Pro Filter Instant Retour Primer à base retour instantané. Ce serait bien que je le lise en français. Donc je sais pas du tout. Donc c'est le soft matte. Je sais pas comment on applique ça, mais en tout cas il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ouais, il n'y a pas beaucoup de produits dedans. Chez Origins, ah j'ai un grand truc là. J'ai reçu donc la crème Resure Façant enrichie aux acides de fruits. Entre un S entre un E et un U, c'est The. Resurfaçante. Mais quand on dit. Mais il y a deux voyelles, donc c'est the, c'est pas ce. C'est comme assos, on dit assos alors que c'est azos. De toute façon, bébé, la langue française, elle évolue. Hein. Bref. Et j'ai reçu cette petite brosse. Elle est trop mimi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit cache. Donc je suis hyper contente. Donc là j'ai donc le gel douche fondant aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. Donc celui-ci on l'a en grand, ils sont vraiment super bons. Ah non, c'est un celui aux pétales de rose. On n'a pas celui-là. Et j'ai reçu l'huile prodigieuse avec les petites paillettes. Donc ça c'est très connu aussi chez Manu. Chez Look Fantastic, j'ai une huile pour le body and hair. Donc c'est pour nourrir les cheveux et le corps. Et huile sèche pour le corps. Okay. Resurfaçante. Resurfaçante. Mais pourquoi on... Moi je comprends plus rien, hein. Moi c'est avec langue française, je peux plus. Hein. Tu dis bien une surface, tu dis pas une usurface. Mais... Donc si t'as le soudain un préfixe, bah, ça fait resurface. Dès qu'il y a un préfixe, c'est ce. Pas forcément. Enfin... Mais tu dis resurface, tu dis pas resurface, c'est une surface. C'est une exception à la langue française.
Ouais, bah la langue française, hein. Wow. Tu dis pas resucré, tu dis resucré ton truc. Ouais. Tu dis des haricots verts aussi. Non, je dis des haricots. Non, on dit des haricots. Non. Tu dis pas des hommes, tu dis des hommes. Non, je dis des hommes. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Enfin, les... Et des femmes, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. La langue française me fatigue. Ensuite, j'ai eu un traitement revitalisant en profondeur de la marque Philippe Ingsley. Quoi ? Je sais pas. Et c'est quoi en fait ? Before shampoing, mouiller les cheveux appliqués par section. Faire pénétrer les cheveux dans les cheveux en utilisant les bouts des doigts. Après, vous couvrir pendant ses cheveux avec un bonnet pendant 10-20 minutes. Mais pas ça quand je rentre du boulot, s'il te plaît. Ah si, le bonnet avec les cœurs. Ah, rituel, dis donc, aujourd'hui c'est fou le rituel. Hein. Ah mais je suis con, c'est le calendrier d'avant rituel, je suis con. Non mais dans le fun passé, il y avait du rituel. Attrape. Non. Ah c'est une bougie, je suis trop contente. Ah oh, ça sent bon. Autant j'ai senti toutes les bougies à rituel la dernière fois. Genre j'ai fait toutes les bougies du magasin, il n'y en a aucune qui m'a plu. Lance. Et là, la bougie tu l'as fait tomber. Lance. Non, non, je préfère pas. Lance. Non. Porte tes couilles là, non, fais-moi confiance un peu. J'étais gardien d'handball là, lance-moi ça. Oh. Et moi j'étais pas gardienne de handball, j'étais la meuf qui, Attrape. Qui faisait les buts moi. Ça sent bon. Ça sent l'homme un peu. Mmh. Pour une fois qu'il y a une senteur d'homme ici. J'ai peur. Moi j'étais pas gardienne, j'étais celle qui... Ah. Voilà. Et j'ai reçu, ça je l'ai déjà, je crois, j'ai déjà testé, ils sont super bons. C'est un lait pour le corps, donc c'est cette gamme-là. Et franchement, ils sentent divinement bon. Si vous voulez tester une gamme, la gamme Sakura, elle sent divinement bon. J'ai acheté plein de coffrets pour une personne pour Noël. Donc je vous assure, ça sent hyper bon. Et les coffrets sont en vente aussi chez Sephora pour, des fois vous avez moins 25%. Donc n'hésitez pas à regarder. Oui, bah moi je vais commencer à réviser pour mon contrôle de demain. Il serait temps. Que ce que je fais quand je révise, c'est déjà je révise les TD, voir ce qu'on a vu. Genre, je vais vous montrer comment ça fait quand ça imprime. Et ensuite, bah, je lis, j'apprends, etc. Et après, je regarde mon cours. Pour mon cours, il donne plus de détails. Quand c'est des contrôles de TD, d'abord apprendre les choses qu'il y a en TD. Et ensuite, à finir avec le cours. En gros, moi, c'est ce que je fais. Donc là, en fait, moi, mes TD, je les fais comme ça. Je les fais avec la colonne du milieu, comme ça. Quand je les imprime, ça me donne ça. Et après, je les plie, je fais un petit trou au-dessus, et après ça me fait mon petit truc comme ça, mon petit livre. Donc j'ai commandé sur AliExpress des petits anneaux, je crois qu'ils vont bientôt arriver, pour bah, pouvoir les mettre de chaque côté là ou là, pour faire comme un livre en fait. Et c'est comme ça que je révise. Donc là maintenant je vais les plier, je vais les perforer. Et voilà, comme ça, hop, je révise, je lis tout ça, et après je vais lire mon cours. Et après je vais devoir aller au boulot, donc je pense que je vais vous reposer. J'ai pu réviser quelques petits instants. Je vous emmène avec moi à Truffaut. Je vais vous emmener dans mon vestiaire. Donc là il y a ma soeur qui vient me chercher, heureusement qu'elle est là parce que je n'ai aucun bus. C'est vraiment casse-couille. Hein. Donc j'ai aucun bus, ce soir elle ne pourra pas venir me chercher donc il faudra que j'y aille à pied, il faudra que je rentre à pied. Mais j'espère qu'il y aura des bus. Je vais prier le Seigneur Dieu. Et en fait je peux pas prendre de Vélib, je peux pas prendre de trottinette parce qu'il n'y a pas de trottinette et Vélib à Villejuif en fait il n'y a rien. Donc c'est génial. Mais heureusement qu'elle est là. Hein. Bon allez, on se dépêche parce que là il est midi 30, normalement je commence à 13h, mais je vais commencer maintenant parce qu'ils ont beaucoup de monde. Ça, ça aidera un peu à ma chef parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde là. Je vais m'habiller, je vais vous montrer ma magnifique tenue. Donc d'habitude j'ai un t-shirt Truffaut mais là je vais pas en mettre parce que je n'aime pas. Donc on doit mettre un petit tablier, très sympathique. Ma petite veste. D'une couleur ravissante. Et pour vu que j'ai pas de t-shirt Truffaut, bah je suis obligée de remonter ça jusqu'en haut pour pas qu'on voit mon t-shirt. Et là je suis prête. Bon bah j'arrive hein. Donc là je suis à ma pause. J'ai une pause d'une demi-heure. Donc ce que je fais généralement c'est que je prends un cappuccino, un chocolat chaud à la machine. Et après je regarde des vidéos YouTube. Ça me gratte. Ah. Il y a le Père Noël mais j'ose pas aller le voir. Il doit y avoir trop de gosses. Alors je viens de rentrer, il y a Bichette qui commence un petit peu à muer, il est quelle heure? Donc je viens de rentrer, il est 20h13 et j'ai eu un message comme quoi demain et après-demain le centre PMF, là où j'ai mes cours,
est fermé, donc demain je pourrais pas aller en droit, mais j'ai mes TD, donc je ne sais pas comment ça se passe pour mes TD, si c'est ouvert ou pas. Je comprends pas grand chose, mais je pense pas que je pourrais y aller, et j'ai pas de bus du tout. J'y aille à pied, mais genre 2h30 à pied, les gars, aller et retour, je peux pas. Genre physiquement c'est impossible, mon genou il va être éclaté. Faut savoir que moi, deux genoux, mais surtout le genou droit, il est hyper fragile, et dès que je marche plus d'une demi-heure, je commence à avoir un mal de chien. Genre c'est une horreur. Donc 2h30, 2h, je pourrais pas. Donc je vais préparer à manger, je vais me prendre une pizza parce que flemme de faire à manger, et après je vais vous raconter ce qui s'est passé dans le bus. Oh, non mais les gens, j'en peux plus, j'en ai marre de ces gens, je vous jure. Hein. Des fois je me dis, mais la France ça va vraiment mal avec ces gens-là. Oh. Voilà, ta pâté elle est là. Ah si, Birdie. Et moi je suis en train de me faire chauffer ma pizza. Déjà je vais mettre ma petite rose, parce que j'ai eu une petite rose aujourd'hui. On dira pas à mon copain, hein. Je déconne. C'est la fleuristerie qui avait ça, et qui me l'ont donné parce qu'elle était toute petite, la dame la voulait plus. Genre il y a une dame qui a dit, oh je veux pas cette rose-là dans la botte de rose. Elle est trop belle, je comprends pas. Moi, hein. Merci beaucoup madame, si vous passez par là. Hein. Cadrage est de mieux en mieux comme vous pouvez le constater. Donc en fait ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que j'allais prendre mon bus, c'était le terminus, enfin le début de la ligne, tu vois, donc il n'y avait personne dans le bus. Il y avait genre 6-8 personnes devant moi pour monter. Et là je vois quoi? Des animaux. Mais pas genre des petits animaux hamsters. Non. Des animaux genre guépard, léopard, lion, gazelle, tout ce que tu veux. Ils se sont tous rués, mais quand je dis rués, limite leur vie en dépendait, tu vois. Ils sont rués pour s'asseoir sur les sièges. Genre, ils ont couru, ils ont poussé tout le monde, ils ont tiré tout le monde. J'arrive pas à comprendre. Vraiment. Je comprends pas. Alors moi, on a essayé de me pousser. Ils sont fous, Birdie. Donc moi, je me retourne. Je vois la personne qui me pousse. Elle a senti mon regard très insistant. Et s'est dit, oh putain, je suis dans la merde. Bah la personne, je lui ai dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi, il n'y a pas de justice là-dedans. Quand on est dans un comportement animal, on répond par un comportement animal. Œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion est prime. Je suis désolée, il n'y a pas de justice là-dedans. Donc la personne, je la pousse. Je lui dis, vous voyez, monsieur, est-ce que ça a avancé quelque chose? Ça a fait quelque chose? Vous avez juste reculé. Bah, arrêtez de me pousser parce que je vais vous pousser encore plus fort. Moi, je fais toujours ça. Les gens qui me poussent, je les repousse après. Ils savent qu'ils poussent une personne. T'as beau leur dire arrêtez de me pousser, ils s'en battent les couilles. Mais si tu répostes par la même gestuelle que la personne qui est en face de toi qui t'a poussé, et ben la personne comprend. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit arrêtez en gros de me casser les couilles. Bizarrement, tout le monde a arrêté de pousser les gens. C'est bizarre, hein, mais dès que quelqu'un ouvre sa gueule, les gens arrêtent de pousser. On s'est tous installés très calmement, voilà, dans le calme, dans sur notre petit siège. Pourquoi se précipiter? Pourquoi pousser les gens? Pourquoi? Ça ne sert à rien. Vraiment à rien. Ça sert à quoi de t'asseoir sur un siège? De te pousser les vieilles dames en face de toi, les enfants, les écraser? Ça te sert à quoi? Et ça, je me dis vraiment, putain, les gens devraient s'acheter une éducation. Il n'y a aucun dialogue, ces gens-là, t'as même pas besoin de leur parler, ils sont cons. Enfin, je suis désolée, ils sont vraiment cons. Même les gamins qui sont venus voir le Père Noël aujourd'hui, c'était plus éduqué que ça, franchement. Pourtant, je déteste les gamins, vous le savez, hein. Oh là là. Alors, les gens, là, de nos jours, en période de grève, c'est limite, c'est la guerre, quoi. Faut arrêter. Oh, ma pizza est froide. Donc, voilà, franchement, les gens qui poussent, mais délibérément, genre, en mode, vas-y, pousse, avance, etc. Pour un siège? C'est comme l'autre gonzesse, je vous l'ai raconté tout à l'heure, l'autre gonzesse qui me tire par l'arrière pour rentrer à ma place. Mais je comprends pas non plus. Mais tu fais ça, mais je te fais deux fois pire. Moi, ce que je fais toujours, c'est voilà, c'est la loi du talion, effet miroir, j'agis pareil que la personne, donc la personne se voit que c'est vraiment complètement con ce qu'elle a fait. Et généralement, ça marche, parce que là, ça a vraiment marché. Tout le monde a regardé en mode, mais ouais, c'est con, on n'est pas beaucoup, il y a plein de sièges. Tranquillou les gars, tranquillou. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que cette vidéo elle a pas été trop décousue, mais c'est vrai que le dimanche moi j'ai pas grand chose à vous montrer, je travaille et voilà, j'ai pas pu faire une photo avec le Père Noël, tout le monde a une photo avec le Père Noël, moi j'ai pas eu le temps. Donc bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne, juste ici, toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à demain pour un prochain mot de passe.